Pour l'amour pas mourir, sauver la science. Yo t'a parlé, yo belle parole, et tout si mon yo te remène. Parole si la, t'es vrai semblé, mila Jericho qui tombait. Chantez-y là, t'es vrai semblé, avec la conscience et évolution.
Samba yo yele, samba yo tombe, nana mila prison, yo mila rage. Samba yo yele, yele, yele la e, hey, 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 hey. En 2004, yo, samba yo kan la ri. Pour yo sauver nation, changer mentalité. Chercher, j'aime la vie, j'aime l'amour, j'aime lumière. En 2004, yo, samba yo kan la ri. Pour yo sauver nation, changer mentalité. Chercher, j'aime la vie. J'y mets l'amour, j'y mets lumière. Chercher, j'y mets la vie. J'y mets l'amour, j'y mets lumière. Chercher, j'y mets la vie. J'y mets l'amour, j'y mets lumière. Chercher, j'y mets la vie. J'y mets l'amour, j'y mets lumière. On vous bâtisse, on vous samba, bébé matin, hop dans la vie. Tombez parler, tombez chanter, jouer tambour pour ça changer. Pour l'amour, pas mourir, nous sauvons nation. Pour l'amour, pas mourir, sauver nation. Yo t'a parlé, yo belle parole, et tout si mon yo te remène. Parole si là. Et vrai semblait, mirage Jéricho qui tombait. Samba yo relé, samba yo tombé, dans la villa prison, yo mouri la rage. Samba yo gele, gele, gele la e, hey, 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 hey. Un groupe sans fin, il fait un rêve en 2004 dans la nuit. Y'en rêve les mains, y'en rêve la paix, côté nous tout petit soleil. T'es vite sauvé l'amour, pour nous sauver une nation, pour nous l'amour d'amour. Le tape chanté, un chant d'acquis, et toute nation a des mains. Chanter si là, tu veux sembler, avec la conscience révolution. Merci, merci, Lovensky, j'ai dit, la pause était longue, c'est pas faute moins.
Et pas faute moins, c'est un vidéo qui met un petit temps pour y arriver. Alors, on a commencé et on a salué un vidéo et puis ça a fait diligence pour y arriver. Mais avant, on nous fait le point avec porte-parole la police là, inspecteur Gary Desrosiers, et à propos de l'opération menée, surtout traducteur Kapsama Ozoa qui a arrêté, et puis l'opération faite dans la zone tapage hier, pendant toute journée, on a parlé de ça. Et Lorenzi, on a parlé de ça. Alors la police, c'est Gary, comment ça a été fait? Bonjour, bonjour là, et bonjour tout auditeur, auditrice, c'est Ramassin, lui, tout notre salut, tout invité, et qui vient pour faire des interventions dans l'émission ça. Oui, Gary, parlez de l'opération ça. Alors, sur l'opération qui est hier et après-midi, dans la localité Tapage, et dans la rue Topi, et alors Tapage, son localité liée dans Tabar, et côté que la police est informée qu'il y a plusieurs bandits et qui ont fait une irruption dans la zone. Je t'ai attaqué les résidents et dans la zone Sahara, et nous faisons bientôt que, et qu'il y a quatre mondes, et dont deux petits bébés, et qui étaient kidnappés, et maintenant, c'est le premier. Et aussitôt que la police arrivait, et nous arrivons à courir avec les bandits, et j'ai envie de dire, pour plus petit, il y a un qui, malheureusement, blessé mortellement, nous arrivons à libérer quatre mondes Sahara, dont deux petits bébés, et nous avons tout qui ont été séquestrés. Et nous confisquons un véhicule que Bandio et Diabolo, qui sont clubs guitare de couleur rouge, qui nous ont c'est AA00976, et également un pistolet de calibre 9 mm. Nous jouons tout, une plaque service de l'État, une plaque c'est SE00530, plusieurs cartes d'identification, et puis nous jouons une note. Et puis, j'en dis, le 14 septembre, la police a recherché un certain tapé, ou tapé ainsi connu, et qui a bien pour eux avec le groupe M. Vitelambu. Alors, j'en dis, nous avons mobilisé justement pour que nous allions au secours des résidents et au monde capté dans la zone Sahara. Et toujours, nous avons transformé toute population autour que. Et au niveau du Malais, la police possède l'arrestation de Pierre Dieu Médor Peter, 45 ans, pour jeune garçon. Et M. Simon est lié dans le groupe 400 Marozo. Et c'est M. Tou qui est servi comme traducteur. Et pour l'homme en 100 jours, et dans le cadre d'enlèvement et séquestration missionnaire que nous songeons, et ça s'est passé samedi 13 octobre 2021. Et la police est activement, DCPJ est activement recherché M. Et on est arrivé et mettez maintenant en l'esprit, hier 26 mai 2022, à Mamio Talet, pendant que M. Tapissé prend la suite pour les réaliser le même. C'est ça, ça c'est bilan opération pour fin semaine, et la police, et imaginez tout le week-end, nous avons l'autre opération toujours maintenant. Et très certainement, et c'est aux luttes et sans merci que nous livrons nos batailles. Et en fonction de moi et nous, pour que nous capables de faire ça, nous capables de faire une question de sécurité. Hein. Et bataille ça, diviser et contre tout trafic ensemble à punition. D'accord. Alors, opération tapage là, et bandit ça, c'est bonne éviter l'homme ou bien 400 maroso? Et selon toutes les informations que nous avons de la police au niveau tapage, M. Sarah Otaque pourrait avec M. Vitelhomme qui. Parfois en déplacement dans des zones, et c'est là justement ça a fait comme information. Et c'est ça justement qui mobilise nous plus pour que nous allions au secours de réfugiés, de habitants dans ça. D'accord, merci infiniment. Merci Gary Desrosiers pour précision. D'accord. Alors, c'est porte-parole la police, l'inspecteur Gary Desrosiers qui t'a porté précision autour de dernière opération la police menait. On te dit en début d'émission, c'est pendant toute journée hier là, dans la zone tapage, et la police était présente dans la zone, en pile coup de zame tiré.
Et nous saluer Madame Marie-Denis. C'est le premier arrivé là. Son plaisir pour nous gagner au matin. Merci pour l'invitation, Jean-Mona. Donc, la saluer toute population, les fidèles auditrices et auditeurs de Ramassé, en émission très prisée, que c'est toujours un plaisir pour venir pour discuter des situations pays. Ouais, côté nous sorti, côté nous et côté nous en viage. Côté nous sorti, côté nous parler. Côté nous sorti, côté nous et qui côté nous en viage. Est-ce que d'après vous, nous pouvons prériver ou bien? Très grande question. Très grande question. Bon, c'est volonté, nous besoin que ce soit du côté chacun citoyen et du côté les dix responsables et nous-mêmes, comme citoyens, sont engagés pour que nous créions l'espoir pour les jeunes qui ont fini. Parce que nous ne croyons pas que nous avons un pays de rechange. Donc, notre situation pays est arrivée là, il va arriver pour conclure. Il y a des responsabilités. Il faut fixer les responsabilités. Mais pour fixer les responsabilités, ça prend de courage et des mondes qui pensaient que nous toucher le fond, nous pas qu'à continuer. Et nous pensons que ça, c'est doit être la réflexion de chaque seconde, chaque minute, chaque heure et pendant l'année longue pour nous connaître. Pour chaque groupe de société, a dit qu'est-ce que moi-même, comme monde, capable de faire pour sortir mon pays de ce trou. Qui contribution. Qui contribution. Quand la vérité dit pas mal des salariés qui ont fait pour vous. C'est même qui sont en vie. Qui ont fait pour l'Amérique. Je suis Jean-Baptiste, son plaisir maintenant. Bonjour Jean-Mo, et ma salue Madame Marie-Denis Claude. Son plaisir pour moi la matinée, pour nous capables de garder. Et encore une fois, nous allons continuer encore. Nous dit ça plusieurs fois, oui, je suis. Même garder moi d'en continuer, puis retourner. Même pas, c'est Jean Bonnat, moi, j'aime toujours dire, c'est non, c'est en tout coûte. Mais là, je me dis ça, c'est pas que il y a de ça 5 ans, 6 ans, d'accord. Quand t'es bonnat, mais on peut pas dénouer là, parce que moi-même, c'est toujours un problème, c'est toujours une position politique, c'est toujours un chômage, c'est toujours une équipe problème dans le pays. Mais, on ne peut pas dans une situation qu'on a, par exemple, moi, dans la Caraïbe, m'obligé à vendre un texte pour dans la Caraïbe. Je me suis dit, OK, moi, je vais côté de la valeur. Si je vais dans le mauvais c'est plus mal, je ne vais pas parler du tout. On a chaque côté. Comment tel côté, donc même parce que là, pour moi, son bout, je ne pense pas à Haïti qui a fait un pas en plus dans ça. C'est ou bien changer, ou bien disparaître. C'est pour ça, maintenant, nous là, pour nous capables de brasser l'idée avec tout respect, mais avec des nécessités pour nous comprendre bien, urgence pour nous agir. Et puis, mais comment la Tibonite là, c'est mon gonfle, vous faites souvent, vous obligez, vous allez de lui en pile. Faut me dire que moi-même, depuis un certain temps, je vous dis depuis très très longtemps que la vie existait en province. Oui. Ma point, je vais avoir, je me souviens du 12 janvier 2010, j'étais ici, et puis me cassé en tremblement de terre, et puis il y a tellement de urgence. Par exemple, je me suis acheté 3 jours plus tard pour terminer mon live, la mouille de l'année. Son médecin faille. Parce que le fait que pied déjointe dans la cheville, il n'est pas saigné, donc on va à l'hôpital, on a des gens qui veulent se couper, puis ils veulent se couper. Mais son médecin fait qui est venu, qui font premier recette, qui fait nous commencer à camper pour même nous déposer pied à terre. Mais qui constate des faits. Si pays a des athlètes, dotons donc notre pays d'un hôpital standard de référence dans chaque département. Pour t'avouer, pour nous escraser, eh bien, dans le Miragouane, dans le Balai, nous descendons au CAI, nous descendons au parce que nous avons une structure sanitaire qui paraît pour recevoir. Mais vous décidez que nous ne pouvons pas faire pays. Moi-même, après un certain temps de fond, j'étais toujours dans la province régulière, mais depuis un certain temps, je suis plus stable en province. Mais j'en ai marre de dire honnêtement,
m'gachita devant businessman sous machine moi prend jour pas appel un million de dollars pour faire bon business machine à machine chita pour mettre un million de dollars pour faire bon business devant la caille moi. Ça veut dire en province, bagaille là pour dégénérer net, même si il y a pile côté. Alors, faut dire peut-être que chance pour vous, et on dit dégel, mais la Tibonie n'est pas de bon en longtemps. Non, la Tibonie n'est pas de bon, ne serait-ce que pour demain, ma parole là, bon, la coopérisse, on aime toujours dire, et c'est sa société à parler. Depuis que j'ai pas un monde, si j'ai fait une belle émission, je vais féliciter. Il y a un dénoncé ça. Je vais faire un petit coca là, je vais dire à quelqu'un qui va parler de bloc parce que si vous parlez de bloc tam, c'est Aristide, c'est là, voilà, c'est ça, m'a dit hier. Je vais faire un parce que c'est un bon naïf, je vais pas souvent. Et le directeur de la police qui est là, monsieur, je vais volonté. Moi-même, je vais dire, si monsieur pas là, vous avez Mathis, ça t'a fait la croix de l'Isse. J'ai décrété la permanence à travers l'aide du mot du département. Les gens présents, les gens ratibois et vagabonds, ils pètent le coup d'Aradagon si je peux utiliser ce mot. Et puis je dis à Ouivé, c'est la police, je n'ai point ça de référence. Parce que Bandi t'a contrôlé. Ils ont décidé de venir pour créer un foyer là et puis permettre que qu'on ait au boulot et au bac à monter Bordeaux-Bresse et puis il y a bloqué. Le directeur général de la police, moi, là, je ne sais pas si c'est. Parce que j'ai une certaine volonté. Et cette si volonté ça alors pour nous bailler bourrade pour que au moins nous allons souffrir dans le pays. La Tibonite est toujours pas ta bon, c'est pas de volonté. Mais je vous dis à la ville Gonaïve, la vie nocturne existe. Mais on dit toujours peur qui dit que les handicaps sont pas mais la vie nocturne existe, le bien fonctionner. Moi, je disais ça, on me demande à 8h30, 9h. L'absence de la donne à madame Moun Monti là, quand même, il m'a dit prévisé ça. Donc c'est pour nous dire que vous dites qu'il y a une étude plus ou moins dans vos vaccins. On ne quitte pas la province en augmenter, mais en fond, il faut tout pour le monsieur. Parce que je ne suis pas venu pour le reste. Je suis venu à la Caraïbe là, je n'ai pas envie de passer pour le champ de masse. Pour ça. Parce que, la situation qui fait que, zone ça a presque donné des zones, nous ne pouvons pas. Par exemple, il était pour le stade, faire vivre. Comment nous avons la lettre vivre? Parce que zone ça, j'aime aussi, je suis un extrême, je ne peux pas passer là dans le coin. Nous ne pouvons pas faire payer à ça. Et c'est dans ce sens que nous avons dit nous arrivons aux limites. Et le problème, c'est que dans pile zone comme ça. En pile zone comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une nécessité. Et de jour en jour, le mouvement a restreint. Possibilité côté pour passer à restreint. Bon, là, on a un côté du tout pour passer. C'est certainement. Et il faut nous franchir, on va arriver là. Et quand vous me dites qu'on a dit là, à travers le mouvement national de transparence, nous avons besoin d'un accord global. Je vous dis à. Je vais dire l'émission est arrivée, je vais rentrer dans ce sujet-là. Je pense qu'il faut chercher une raison qu'a fait nous mener une bataille commune. Une raison qui a fait même si Madame Denise est un petit peu plus grassée, non, tu politique. C'est pas un petit peu vigueur. Même toi, tu fais gagner un don. Non, le parti politique, qui s'ajoute à un gamin qui peut créer une cohésion nationale là contre le mal qui nous mange depuis notre existence. Même c'est ça que je viens de dire, c'est que nous ne pouvons pas vivre. Moi, personnellement, je ne peux pas vivre. Mon petit fils, chaque fois, regarde le dos parce que je ne pas. On ne peut pas avoir l'avenir. On a l'ambiance. Si le monde, l'aime sur ta veille, l'aime mettre une machine pour la rue avec lui, il va se compter parce que pas chance sur ta veille. Il dit, un an, trois mois, un temps. C'est pas possible, son petit bête doit pleuver parce qu'il parle de monde, il parle de jeu, il parle de porte, il parle de la rue, pour son père. Il faut respecter bête, yo, parce que chien, pour le prendre même. Exactement, exactement. Donc c'est pas les réponses à tout, non? C'est pour montrer que par la grave, c'est, je dis, en dessous, c'est une polémique, et toi, polémique. Alors, moi, dis ça, oui, moi, volonté, KLB, par exemple, même sous tabac, j'en vais pas l'eau là, mais ils font, chaque fois, pas la guille, bah, ils m'ont dit. Est-ce que vous prenez depuis mon petit bagaille, ils ont intervenu. Dernier, bah, elle a compliqué, Marie-Denis. C'est compliqué, vraiment compliqué à Pernier. Alors, c'est configuration, Pernier, qui est vraiment plus difficile. C'est configuration, Pernier, plus difficile. Parce que nous pris entre deux gros gants, celui de Marozo, le 400 Marozo et Vitelhomme. Donc, Vitelhomme, à un moment donné, était contrôlé tout le dernier, le 400 Marozo vient. Donc, premièrement, bataille entre eux. Et puis, ces derniers temps, ça, vraiment, habitant, elle est vive, c'est. Bah, infernal.
Donc, ça va arrêter comme ça, nous ne pouvons pas continuer, nous ne pouvons pas faire pire. Le dernier, c'est vite de ses habitants. Oui, on va aller. Mais l'homme dit d'aller, à qui peut aller? Qui peut aller? Oui, mais regarde, quand tu as des enfants, moi j'ai vu des gens avec des enfants. Le lundi, après le dernier assaut que nous avons fait dans le dernier, c'était la désolation. Quand je te dis la désolation, je voyais des gens avec 4-7 personnes sur mon dos. Chaque personne me ressemble. Vraiment, on me criait, on me dit, oh Seigneur, quand tu nous as parlé. Parce que la seule chose, c'est l'instinct de survie. Mon yo, yo, mais je sauve petit, yo, sauve vie. Mais mon an travaille toute ville pour le construire. On dit qu'on t'a 2-3 pièces quand on t'a eu pour le vivre. Quand il y a la courir, par contre, quand il va aller. Qui est capable de vivre en situation comme ça? Et je regarde à Bernier, on s'était battu à un moment donné pour avoir le sous-commissariat de Bernier. Le sous-commissariat, mais si le sous-commissariat n'est pas équipé, et que pour le faire face, déjà, depuis le sous-commissariat, vous déjà dit qu'il n'y a pas équipé, il n'y a pas quantité de monde. Il n'y a pas de manque personnel, il n'y a pas de matériel et autres. Donc, moi-même, ça m'énerve, parce que vous me dites déjà avec Joshua, que oui, c'est bien bon que le staff de la police, parce que je refuse de personnaliser quelque chose, il faut la volonté de tout un staff, mais il faut un leader, que grand leadership qui a bougé à l'intérieur de la PNH. Mais quand je regarde, bon, moi-même, bah, on a dit aussi le budget, mais ça a étonné, vous avez parlé de budget au mois de mai. Bon, donc son budget, c'est en 4 mois critiqué pour l'exercice. Il n'y a pas de budget, moi, non, mais il va commencer à m'apprendre, il va commencer à m'apprendre. Donc son budget rectifie. Ok? Donc, si c'est vrai, même d'aller, mais le gouvernement répond, même, si c'est vrai que la sécurité pays, c'est une priorité, il faut manifester parce que. Le budget, c'est ça qui vous permet de voir quelle est la ligne, qui direction le gouvernement prend. C'est pas ça, moi. Ça, c'est au niveau de la sécurité. Au niveau de la sécurité. Et je viens là, pour apporter ces critiques par rapport au budget. D'ailleurs, que le ministre de l'économie, le ministre de l'économie des finances, le ministre de la planification et autres. Parce que dans le conseil de budget, on joue un monde sérieux. On t'a aimé que le team, c'est qui ça budget ça a dit. Parce que l'aime regarder. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai tiré le nom. Et puis, il me dit, ah, on connaît que vous faites partie du gouvernement ça. Et me connaît son abonnement, donc on connaît à fait. Il me dit, mais, il n'y a pas. Je n'ai pas entendu de campagne de printemps. Parce que, avec la guerre qui gagne en Russie et en Ukraine, qui gagne des gros impacts sur l'Europe, qui a produit. Qui a produit. Et moi-même qui n'ai pas produit tout ça que nous gagnons, c'est de l'importation. Donc, on ne peut pas attendre des campagnes de printemps. Pas tant des campagnes de divers. Décembre, il n'y en a pas eu. Bah, j'en ai dit un mot. Donc, on vient plus préoccupé parce qu'il y a des situations. Parce que moi-même, comme on s'en finit, on est allé à ma pression, je te félicite, on dit que madame, vous avez fait des courses. Et on ne peut pas gagner. On gagne un demi-gallon d'huile crisole, 250 $. Rentrez dans l'époque qui m'a fait place. 250 quand je te dis, qu'est-ce qu'il y a de l'autre monde? 1250. Nous gagnons, nous, 2000 gallons d'huile crisole qui plus ou moins ça que nous avons, de nous-mêmes que nous utilisons. Et je suis dit, l'huile tombe. Parce que vous faites une belle chaque fois. Ah, pas d'entendre ça, qu'est-ce que tu as dit là? Eh bien, moi-même, ça, vraiment, l'huile tombe existait toujours dans le pays. Hein? Et puis, il y a dit, prenez l'huile tombe, on dit l'huile tombe. On dit ça du oui, 2400, parce que 300 combien de dollars? Si petit qui dit 4 mamies. Ah bon? Ah oui? Ah oui? Donc, moi-même, ma grande question à Dr. Ariel, c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais.
c'est comme si mes questions de stade, parce que je ne suis pas lui-même seulement, il n'est pas seul, il est bon et conseillé. Dernièrement, je lui ai envoyé une petite note. Et que vous me dites, vous me tendez qu'on a dit, bah, mais que vous êtes barrié. Quand j'ai vu ça, on sautait, on dit, hé, parce que vous avez dit, vous faites, tant que vous avez fait Matisse, tant que vous avez fait. Il a mis des frontières un peu partout. Ah non. On dit, parce qu'il me dit, parce que des fois, on a jugé mon nom et puis personne ne va dire ça. Regardez, ou même, son journaliste qui est toujours au courant, on va connaître 2000 gallons, lui, demande 250 dollars ici. Comme ça. Donc, on dit, vous voyez, on dit, salut, cher ami. On dit, pour Ariel. Oui, pour Ariel. On dit, monsieur, que conseiller au pape de Samy. Et puis, samedi, je viens là, il faut être avec Bali. C'est son affaire barrière avec lui. Parce que me dit que si c'est cette petite contribution que je peux apporter pour me dire, mais c'est à partir là, oui. Bon, m'espérer que lui comprenne que le patron des mesures, parce qu'il me dit, l'État n'a qu'à arriver là, n'a qu'à payer nous y est, pour qu'il y ait autant de barrières, parce que j'ai dit, nous commençons. Si on partit dans le nous parlons de problème. Donc, moi, je pense que oui, je suis d'accord avec toi, Georges Chémy, dans le sens que qu'est-ce qu'il nous faut pour un complot positif pour le pays? Parce que ça, on a besoin pour question sécuritaire, on a besoin pour affaire la France. On a besoin pour affaire la France. Pour te dire, je suis même tout que. Ouais, moi-même, dans mes déclarations comme femme qui a fait promotion pour leadership femme et ensuite pour que la société a une représentation égale dans l'espace public côté décision à prendre. Moi, j'ai toujours dit, la chaîne dit dans le blanc, premier monde qui va être femme de grosses responsabilités dans le gouvernement, c'est Aristide. Je l'ai toujours dit, bah, pourquoi avoir peur de dire la vérité? C'est vrai, ce soir aussi que nous jeunes femmes, ministre des Affaires étrangères, c'est celui que nous avons première femme, première ministre. Mm-hmm. Donc, il faut le dire. Ça veut dire que qui va minimiser femme, qui va être femme de poste de responsabilité. Et ça, j'ai apprécié, même si nous sommes capables de gagner des contradictions, pas d'accord avec. On est capable de dire majorité, ça tout à fait, non, pour voir ça, mais ça fait des positions. Ça nous donne aussi le courage, pour nous dire. Et me penser, soit fait que, de ça, et histoire la France, hein, mais avec seule histoire que. Nous ne pouvons vraiment prendre, non, si vous voulez. Non, mon carrocade de faire les matchs, là. Oui, mais, ça qui gagne. Non, pourquoi ça me dit ça? Parce que moi, je me songeais dans le parti comme tout le monde dit, moi, seul, parce qu'il a intéressé Marie-Denis Toul, et je vais dire ça exprès, parce que je me songeais que ça a été dit, je vais dire ça. Parce que je me dis, moi, je me dis, moi, parce qu'il a intéressé pour le ministère de l'Intérieur. Parce que je connais qui ça me bat à faire. Je me dis, moi, comme mon bon ministre de l'Intérieur. Et je me songeais, moi, j'ai un ami, il dit, combien de fois qu'on me fait le ministre de l'Intérieur? Bah, on dit ça, moi, mais il l'avait dit. Oh, monsieur le garde-ministre. Qui a assis au premier fort dans le ministère? Mon ami. Ariel? Je vais avouer. Oh, monsieur le garde-ministre, dis-moi ça. Oui, mais il me l'avait dit. Oui. Donc, mais son prince est dit le garde-ministre, vous devez dire, what's up? Bah, non, moi, je ne sais pas. C'est une bagarre de jeu. Non, mais tu connais ça. Moi-même, tu connais. Tu connais côté. Oui, je suis intéressé par ce poste en particulier. Parce que, bah, quoi que, garçon. Ça, tu vas le faire, mari, garçon, mari, femme. Non, parce que je pense qu'au niveau de politique intérieure, il y a beaucoup à faire. Et en termes de déconcentration, je dis bien le mot, parce que c'est deux concepts différents. Et tout le monde arrive, bah, non. Il y a beaucoup à faire dans ce pays. Et je pensais que si il y a des formations pour gagner, parce qu'ils nous ont dit, elle nous dit oui, ils nous disent, on sont docteurs, moi, ils sont sociologues. Donc, je pensais que. Yeah. D'accord, on salue Déus, député Déus Déronet, qui est rejoint. Bonjour, gentiment, t'es le micro, ah, ouais. Oui. Ah, est-ce que le micro est bon? Le micro est bon, bien sûr. Salut aux gens, oui, salut madame Marie-Denise Claude. Un combattant, un hors pair.
Salut Joshmi, salut toute population haïtienne. Là. Salut ces haïtiens, compatriotes qui en transit en Daboutea, donc quartier à un lot. Et ça, qui va jamais de table de déposer sous deux, il sorti quand il est en militaire, il a dormi quand il est en militaire, il sort là, il là. Et parce que tout simplement, il nous fait face à une période de très mauvaise gouvernance. Et puis, qui chavirait le pays en amène, donc chavirait tout ce là, qui était pensé au impliqué, ou même qui était pensé au pas impliqué, ou même qui pensé au pas mérité impliqué, et puis qui était ça arrivé là. Si là yo qui fait des silences parce que va connait ça pour yo dit, si là fait des silences parce que complice, si là fait des silences parce que ignorer qui ça un pays, qui ça un territoire, qui ça citoyen, qui ça gouverner. Je salue mes compatriotes qui sont en exil forcé en République dominicaine et c'est ainsi qui nous comprenons de la démarche de la gouvernance de la République voisine qui a subi des mauvais traitements pour dire non, pas de place encore, nous allons continuer à venir. Et que nous avons acté là, nous devons mettre au dehors pour nous continuer à envahir. Nous saluons aussi là qui a transité tout un peu partout, aux États-Unis, au Canada. Pour gratter dans la tête de l'eau, on a bien dans l'eau en bas, colon, l'eau mourir. Ils ont forme de lutte, ils ont forme de résistance. Et si on appelle avec nos amis, nos camarades, nos compatriotes qui sont en terre étrangère,